J'ai lu le premier tome des Frères Karamazov et c'est un bouquin qui me faisait extrêmement peur parce qu'il est gros, ça c'est que le premier volume, le deuxième est encore plus gros, et parce que bah, Dostoïevski quoi. Et en fait, j'ai plutôt bien aimé. Il y a des moments où j'étais perdue, mais j'ai plutôt bien aimé. Sous la forme d'un roman, Dostoïevski essaie de faire un essai politique sur la Russie, un essai social également, où chacun des trois frères Karamazov et le père vont incarner une sorte de Russie différente. La religion, la politique, la société, la manière dont les gens doivent se comporter, la morale vont être abordées dedans. Ici, c'est un tome introductif, il se passe quelque chose de très grave à la fin, un plot twist qui va vraiment lancer le tome 2 et vraiment lancer l'intrigue, entre guillemets. Donc oui, il y a tout ça d'introduction, mais il se passe quand même des choses, rassure-toi, si j'ai survécu, tu peux survivre aussi. Et avec le suspense qu'il y a à la fin, j'ai vraiment envie de lire le tome 2.